Allez, ça y est, j'ai ma voix qui commence à casser la voix. Alors, c'est parti. Nouvelle ouverture d'un boîte de booster Kamigawa. Cette boîte, c'est grâce aux personnes qui sont abonnées à la chaîne et puis à vos petits dons par-ci par-là que j'ai pu la prendre. Parce que j'ai reçu mon premier, on va dire entre guillemets, salaire Twitch. Bon, c'était pas grand-chose, c'était 90 euros, mais bon, voilà, je me suis dit, allez, je vais m'ouvrir ça, parce que, je vais vous montrer, voilà, ça, voilà, ça ici, c'est les doublons que j'ai eus, donc, il y a eu certaines, en beaucoup, que j'ai eues sur l'extension, donc, en gros, pas grand-chose, il y a eu 26 cartes en doublon, et j'ai quand même des communes qui sont en un seul exemplaire. C'est pour vous dire, je vais dire, j'ai halluciné. Voilà, j'ai eu que ça en fait en doublon, enfin en plus de 4 exemplaires. Et comme j'aime beaucoup l'extension et que j'ai pas eu les Planeswalkers, il y a des Planeswalkers qui me manquent, j'ai fait, voilà, c'est la boîte des abos. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et bien sûr, donc il y aura la boîte. Donc ça, c'était tous les doublons qu'il y a eu. Autant je verrai, peut-être que je les ferai gagner à quelqu'un, s'il y en a qui sont intéressés. N'hésite pas. On pourra essayer de s'arranger pour que je vous les envoie. Que je vous les envoie ou pas. Ça dépendra des champs. Voilà, hop, on va mettre ça de côté. Je vais préparer derrière. Donc voilà, c'est la petite boîte des abos. Je prépare mon truc de scoring. Voilà, voilà. Et bien sûr, il y aura un petit bonus. J'ai des trucs en équilibre. Ça va se casser la gueule. Ça va tomber en plein milieu du plateau. Je vais tout enlever. Ça tombera pas. Je vais mettre celle-là. Bon. Voilà. Et il y aura deux petits boosters collecteurs en plus. On est un peu de travers. Hop. Voilà. Et il y aura deux boosters collecteurs. J'ai réussi à avoir des Kamigawa. Je suis assez content. Donc, on va ouvrir la petite bobouette. Donc, il n'y a pas les cartes promo, elles sont mises à l'extérieur, malheureusement. C'est bizarre parce que de temps en temps, ils mettent les cartes promo dedans, des fois non. C'est assez étrange. Et sinon, salut Renate, je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est pas grave. Je le redis. Hop, allez, poubelle. Hop, 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 là. Bon, mais là, je sais pas combien. On cale la boîte par ici. On commence les 10 premiers. Donc, comme d'habitude, je vais passer rapidement hein, les communes, hein, comme d'hab. Il y a le scoring qui est ici. C'est comment je fais. Donc, j'ai eu. C'est ma plus belle boîte. A été quand même la première Kamigawa. La deuxième, mais on va dire dans la moyenne des autres. Donc, on va voir est-ce que celle-là va être un cran au-dessus ou pas. Tu fais partie des meubles. Bon, on commence par un petit terrain. Ça, c'est les plaines. Donc, c'est le design. Oh, et en plus, derrière, on a un terrain. Donc, c'était bien une plaine. Donc, on a un terrain qui est normal. Alors, on regarde comme ça. Oh, même qu'au direct. Le museleur d'Okuchi pour deux, c'est une 2 à ninjutsu. À chaque fois que le museleur d'Okuchi inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez vous défausser d'une carte de créature. Quand vous faites ainsi, détruisez une créature ou Planeswalker que ce joueur contrôle. Plutôt sympa. Après, faut pouvoir récupérer. Donc, l'embusqueur de Mukutai. Ok, on en a eu que deux. Donc, le colosse de foudre acier, éclairer la voie. Je trouve que c'est vachement plus clair que d'habitude. Attendez, j'essaie de faire un truc. Hop, si je fais comme ça, c'est un petit peu moins clair et ça devrait aller. Donc, armure. Oh, c'est un booster spécial véhicule. Armure de brute. Ou artefact. Alors, ça c'était. Non, c'était une commune. Donc, l'automate en patchworks pour 2, c'est une 1-1. Il a parade 2. Et sinon, à chaque fois que vous lancez un sort d'artefact, mettez un marqueur plus 1 sur l'automate. Je me suis pris des trucs comme ça sur la gueule. Tu te prends ça tour 2. Si t'arrives pas à le gérer, tu pleures. Le parade 2 est vraiment horrible sur cette carte.
Alors, mécanote, enthousiasme, une 2-2 pour 2, vol, les sorts d'affaires que vous lancez coûtent un de moins à lancer, c'est bien combo. Alors, règne de la vérité de Michiko, donc une créature ciblée gagne plus d'un plus d'un jusqu'à la fin du tour pour chaque artefact et ou enchantement que vous contrôlez. Et quand on l'exile, hop, j'ai un token, ça devient le portrait de Michiko et elle gagne plus d'un pour chaque artefact et ou enchantement que vous contrôlez, ça je le joue dans un de mes decks. Oh, une carte de commandeur, cool. Pour 8, c'est une 3-3. Le Mujin des rêves cryptiques arrive sur le champ de bataille avec un marqueur indestructible sur lui si vous l'avez lancé depuis votre main. Retire un marqueur indestructible du Mujin des rêves cryptiques, copiez 3 fois un sort de permanent ciblé que vous contrôlez. Waouh. D'accord. Ok. Derrière, on a la rare qui était prévu. Donc Ishin, réunion des réunions des firmaments. Je l'avais déjà eu celle-là. C'est une créature attaquante provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez. Cette capacité se déclenche une fois de plus. Plutôt sympa. Dans un deck prévu pour. Et la feuille, c'est l'incision planaire. Et on a un mini-jeu. Ça sert à rien. Alors, ça va faire 3, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On commence sur un bon booster, on va dire. Hop. Et donc, on démarre booster number one. Avec un Thérèse. Alors, je live un petit peu plus tôt que d'habitude, là, parce que j'ai des voisins qui n'arrêtent pas de faire des travaux. Et c'est la galère tout le temps. On a du bruit. Oh, joli ça. Je sais plus, c'est pas un terrain ça? Non, c'est pas un terrain, c'est... Oh, bébé. Invocation du désespoir. Et derrière, un petit terrain non-foil bleu. Ça, c'est cool. J'en avais pas beaucoup. Des bleus, en plus. Donc, Sacre Lame Nezumi pour bosser une commune. On va passer. Agent futuriste. Pour 4, c'est une 3-4. Tant que l'agence futuriste est engagée, c'est un humain et citoyen avec une force et une endurance de base de 1-1 et il ne peut pas être bloqué. Qui est vraiment pas mal dans les decks ninja, je trouve. Ok, protocole de perturbation, court-circuit, exploitation mortelle. Spécialiste en duplication pour 5, c'est une 3-4 vol. À chaque fois qu'un artefact non jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez payer 2 si vous faites ainsi. Créer un jeton qui est une copie de cet artefact. Ça peut être sympa. A voir. Après, je trouve un peu cher, mais... Relieur de circuit pour 3, une 2-3. Quand le relieur de circuit arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 2 points de vie. Quand le relieur de circuit quitte le champ de bataille, pochez une carte. Pourquoi pas, mais bon, il y a mieux quand même à mettre. C'est pas prioritaire, on va dire. C'est en... Comment ça s'appelle en paquet scellé ou en draft, à la rigueur, mais... Sinon, on construit, je pense que c'est... Il y a beaucoup mieux. Défaillance bienveillante pour 3, toutes les créatures gagnent moins de 2, moins de 2 jusqu'à la fin du tour. Si une créature devait mourir ce tour-ci, exila à la place. Je me suis pris tout à l'heure celui-là. Il y en a qui le jouait. Chute du Seigneur Konda, donc exiler une créature ciblée qu'un adversaire contrôle avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4. Donc chaque joueur acquiert le contrôle des permanents qu'il possède. Et oh, j'ai peut-être une carte de The List. Et donc c'est une 1-3 défenseur qui, quand elle meurt, on pioche une carte. Allez. L'art, le homme de tête d'ogre, qui est pas mal, 2-2 pour 2, c'est une créature artefact, équipement et ogre. Donc la créature équipée gagne plus 2 à chaque fois que le homme tête d'ogre ou la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez sacrifier la créature qui inflige des blessures de combat. Si vous faites ainsi, défaussez-vous de votre main, puis piochez 3 cartes. Si t'as pas de carte en main, ça peut être pas mal pour récupérer 3 cartes. Hop! Derrière, ben la feuille, c'est un méconote enthousiaste qu'on a eu tout à l'heure, juste avant. Ok, plutôt cool. Et on a... Oh, une rare de The List. Alors, attendez, quoi? Elle a pas un bug? Pour 3, c'est une 8-0. Mais elle meurt tout de suite. Ils ont pas bugué, là? C'est pas une 8-1? S'il y en a qui savent, qui n'hésitent pas. Parce que là, pour moi, elle est buggée. Parce qu'elle arrive en jeu, elle meurt. Ou alors, c'est un bug d'écriture. Ou alors, c'est fait exprès. C'est-à-dire qu'il faut avoir un boost de +1/+1 pour pas qu'elle crève. C'est spécial comme carte.
Ah, puis c'est une rare, hein. C'est une rare. Ça aurait été mythique, je... Mais bizarre, cette carte. Allez, ça fait 2, ça fait 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, c'est parti. 15. Bien. Deuxième... Eh, ça part comme la dernière fois, hein. Comme la toute première boîte. On score beaucoup au début. Elle a le piétinement trempe. Oui. Oui, mais le problème, c'est une 8-0. Une créature qui a 0 en vie meurt systématiquement. Donc, c'est-à-dire que tu la poses, elle meurt. C'est ça qui est bizarre. Donc, la petite carte comme ça. Hop. Qui est Rizona, commandante Asari. Or, les petits terrains doubles qui font gagner des points de vie. Oh, il est foil en plus. Yes. Yes, le petit terrain est foil. Un point de plus. Alors, mentor cette queue. Stagiaire de Jukai. Il y en a eu deux. Sentinelle futuriste. Askitsune. Maître l'armure. Armure de Donat. Alors, toucher au royaume des esprits. Donc pour 3, c'est quand toucher le royaume des esprits arrive sur le champ de bataille, exilé jusqu'à un artefact ciblé ou une créature ciblée jusqu'à ce que toucher le royaume des esprits quitte le champ de bataille. Et on peut jouer un transfert pour exiler temporairement des... défaussez-vous de toucher le royaume des esprits, exiler une cible, artefact ou créature, envoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Ça permet de sauver Murmi. Ça oui, je pense qu'il faut l'insta-boost. Non, tu peux pas l'insta-boost. Hein. En fait, tu le poses. À mon avis, faut quelque chose qui fasse que il y ait déjà du plus 1, enfin, ou au moins que sa défense soit supérieure quand il arrive en jeu. Sinon, c'est mort. Après, s'il y a des vrais spécialistes, parce que là, c'est la première fois que je tombe sur une carte comme ça. Pour 2, c'est une 1-1 qui donne du mana, et tant que la garde de l'Union Orishi est modifiée, elle a ajouté 2. Donc... si modifié, c'est-à-dire s'il y avait des marqueurs ou des trucs comme ça. Donc l'air d'élimination, la rare, ou la mythique. Soulèvement des héros pour 2 et X. Donc si on crée des jetons de créatures blanches samouraï avec la vigilance, ils acquièrent la menace et la célérité jusqu'à la fin du tour. Et après, chaque adversaire crée X jetons moins 1 de créatures de 2 blanches samouraï avec la vigilance. Je sais pas, j'hésite sur le... l'utilité de cette carte. Entrée explosive pour la foil. Et on a je vous explique. Qu'est-ce que la liste? Un booster d'extension sur 4 contient une carte de l'histoire de Magic sélectionnée avec soin. Voilà. Alors, ça nous fait 1, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, booster normal, on va dire. Un booster à 10, on va dire que c'est un booster normal. Booster en dessous de 10, c'est un booster tout pourri. Allez, hop. Oula. Il s'énerve, lui, non? Oh, encore un terrain comme ça. Hidetsugu, chaos dévorant. Donc, petit terrain bleu standard. Enfin, standard. Pas foil. Alors, ben, Rodeur Nezumi. Donc, pour 2, c'est une 3-1 ninjutsu 2. Quand le Rodeur Nezumi arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert le contact porté des liens de vie jusqu'à la fin du tour. Être vraiment pas mal pour éliminer des créatures ennemies. Après, hackeuse au circuit lunaire, qui est une commune. Oh, on en a eu 3. Technicienne cachée pour 3, c'est une 2-4, une joue sous 2. À chaque fois que la technicienne cachée inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte d'artefact avec une valeur de mana inférieure ou égale à ses blessures depuis votre main. Donc, il faut jouer un artefact ninja. Alors, mentor, c'est que... archétype des grands gros, je prononcerai toujours mal celui-là. Jugatrice impériale. Alors, technicienne cachée qu'on vient juste d'avoir, mais en version alternative. Agent futuriste qu'on a eu juste avant en version alternative.
Approvisionner les phalènes. Ok. Le brise-banc des diables. J'ai l'impression que. Il y a plus de cartes. J'ai l'impression. C'est moi qui. Non, c'est normal. Brisement Stélias pour 2, c'est une 4-4. Le brisement Stélias arrive sur le champ de bataille avec sur lui 3 marqueurs charge. Quand on paye 2, on l'engage, on retire un marqueur charge, on pioche une carte. Puis s'il n'y a pas de marqueur charge sur le brise-banc d'Elias, crée un jeton de trésor et un jeton de créature 1-1 color pilote avec cette créature, pilote les véhicules comme si sa force était supérieure de 2. Donc ça permet de le piloter après quasiment gratuitement. Ok, la foil, c'est la faveur de Jukai. Et on a juste une carte qui permet de décrire les petits... permet de décrire les doubles faces dessus sans avoir à l'avoir à côté et d'avoir comme ça dans le deck. Alors, Rodeur, ça fait 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nickel. Quatrième booster. Et on passe à Pastis. 51. Allez. J'ai pas fait le 33, on l'a pas eu. Ça me dit quelque chose, ça. C'est bosquer quelque chose, non? Oh, encore une foil. Forêt, d'accord, direct. Et un petit terrain foil de base. Allez. Croc de Shigeki. Suivi de Samouraï béni par les cieux. Pour 6, c'est une 4-4 et il coûte 1 de moins à lancer pour chaque enchantement que vous contrôlez. Il faut jouer. Pas dans le deck, dans mon deck enchantement, ça pourrait. Saga enchantement, ça pourrait passer. Scarabée virus, compagnon fougueux, disciple queue dorée, autorité de la régente. Donc Kitsune, bizarre des lames. Pour 3, c'est une 2-2. Elle a Ninjutsu 4 et elle a la double initiative. Oui, ça peut faire mal. Ok. Museleur Dokuchi pour 2, c'est une 2-1, ninjutsu à 2. Donc à chaque fois que le buzzer inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez déposer une carte de créature. On a eu la version alternative un petit peu plus tôt. Donc la chute du serpent Konda qu'on a déjà eu. La rare, radio fulminant pour 4, c'est une 3-3 célérité. À chaque fois que le radio fulminant attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Puis le radio fulminant inflige X blessures à chaque adversaire, X étant le nombre de créatures modifiées que vous contrôlez, autre que le radio fulminant. Ok. Moi, c'est un petit blast. Ça en multi 2 contre 2, ça peut faire mal. Ou plus. On a la Fox et l'intrus Saiba. Et on a rien du tout. Super. Donc ça fait 1... Ça fait 2, 3, ça fait 6, 7, 8, 9, 11, 12. Ouais, je vais un peu vite, hein, parce que j'ai peur que j'ai jusqu'à 15 heures avant qu'il y ait des risques de bruit. Parce que je vous dis pas le boucan que je me prends depuis plusieurs semaines, là, et j'en peux plus, quoi. C'est horrible. Hop. Oula. Oh, la version signée en plus. Qui, quand on touche, on sent que ça a été... Enfin, c'est gravé dans la carte. Avec un joli terrain derrière. Énorme lame d'énergie. Il a vu ma lame d'énergie. Pardon. Énorme, pardon. Allez, Museleur de Kuchi qu'on a déjà vu. Oh, Eiko Yamazaki, la générale, pour 4, c'est une 3-3 piétinement. Chaque fois qu'un samouraï ou un guerrier que vous contrôlez attaque seul, vous pouvez lancer une carte d'artefact ciblé depuis votre cimetière ce tour-ci. Oh, encore une, et B. Pister Annelé, une 2-1 pour 2. De toute façon, c'est une commune, on va pas aller plus loin. Katana ancestrale, patrouille de choses, phalène, samouraï lame-soleil. Ok, Rodeur Nezumi, qu'on a déjà eu juste avant, qui permet de donner le contact mortel et lien de vie à une créature quand il arrive sur le champ de bataille. Kappa Démolisseur de Technologie pour 2, c'est une 1-3 qui a Ninjutsu 2. Le Kappa Démolisseur de Technologie arrive sur le champ de bataille avec un marqueur contact mortel sur lui. Voilà. Je vois que le Kappa Démolisseur de Technologie inflige des blessures de combat à un joueur. Vous pouvez lui retirer un marqueur contact mortel. Vous faites ainsi exiler un artefact ciblé ou un enchantement ciblé que ce joueur contrôle. Je ne l'ai pas vu beaucoup jouer.
celle-là. L'ère moderne, petite commune. Oh, la première mythique. Appel de l'esprit sœur pour 5. Donc au début de votre étape de fin, choisissez une carte de permanent ciblée dans votre cimetière. Vous pouvez sacrifier un permanent qui partage un type de carte avec la carte choisie. Si vous faites ainsi, renvoyez la carte choisie sur le champ de bataille depuis votre cimetière et la quai. Si ce permanent devait quitter le champ de bataille, exilez-le à la place de le mettre autre part. Ok. On va voir comment ça pourrait marcher avec un truc. Derrière, on a une hackeuse de circuit en version foil. Bon, désolé, ma caméra est pas super ouf pour voir vraiment le détail. Après, c'est pas, il y a vraiment les éclairs et trucs comme ça hein, qui sont un petit peu foil. Et derrière, on a rien. Mais ça va, mon petit booster. Donc ça fait 3, 6, 8, 9, 10, 15... 16. Mais ça va, on a des bons boosters quand même là. Donc ça fait 69, 79. Allez. Ça c'est As Kitsune. C'est ça. Ah non, Zeltpat, voix de l'impératrice. Pardon. Ok, encore un terrain comme ça, c'est cool. C'est déjà le quatrième en plus, je crois. Marche d'ombre d'Okuchi. Et on en a eu qu'une. Arrestation de l'incesseur. Repousser l'abject. Camille géothermique. Communion avec les esprits. Grand Tanuki. Coup de pied retourné pour 2 et 2 fois X. Une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à chacune de X cibles. Créature et Open Walker. Marrant. Oh, cool. Maître Splinter, ça y est, enfin. Je crois que ça fera ma quatrième. Je l'ai eu que deux fois, celui-là, je crois. Donc, une 2-2 pour 2, ninjutsu. Bon, c'est moins... C'est les capacités de ninjutsu que vous activez coûtent un de moins à lancer. Et les autres créatures ninja et autres créatures gredins que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1. C'est plutôt pas mal. Kamo affronte Kakazan. Donc, c'est pour 1. On inflige un point de dégâts à chaque adversaire et à chaque Penwalker qu'il contrôle. Le tour d'après, la prochaine créature qu'on lance, elle gagne plus 1, plus 1. Et on a un token. Ça devient une 2-2 célérité. Et si une créature blessée par ce tour-ci par une source que vous contrôlez devait mourir, on l'exile à la place. C'est plutôt pas mal. Je viens de regarder et en effet, il lui faut un effet plus ou moins permanent, déjà actif, qui donne au moins un point en endu pour l'empêcher de la mort instantanée. Ouais, bah oui, non, mais je m'en doutais. Ok, invocation de la justice pour 4 blancs et un incolore. Donc, renvoyez sur le champ de bataille une carte de permanence ciblée de votre cimetière. Puis répartissez 4 marqueurs plus 1 plus 1 sur n'importe quel nombre de créatures et ou véhicules qu'un joueur ciblé contrôle. C'est super fort. J'ai vu des decks combo avec ça, c'est énorme. Allez, la foil. Un fouineur des tréfonds. Et donc, on a vu qu'on avait un POF token. Allez, ça va être un petit booster, ça. Les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, un mauvais booster. Ça, c'est un booster que t'es pas content d'avoir. Donc, 8. Allez. Hop là. Ok. Donc ça c'est le terrain. C'est une montagne. J'arrivais pas à retrouver le mot. Un petit marais de base. Sacre lame Nezumi. Et on en a eu qu'une. Serment impérial. Je sens le deuxième booster bien pourri. Synthétiseur expérimental. Ronaki. Ah non. Ça va, on a eu très vite l'Enko. Voilà ce prospère pour 3, une 3-2. Je crois qu'on l'a déjà vu. Quoique une ou deux, à chaque fois qu'au moins une créature ninja ou gredin que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur qui a un trésor. Non, on l'avait pas vu celle-là. Genre ta saga en grade 2, sauf ta sauvagie, puisqu'elle prend plus 1, plus 1 lors de son
pop, non, je pense pas. Non, non, ça marche pas. Parce que l'effet se fait... Oui, mais à la fin du tour, elle meurt, parce que le truc reste jusqu'à la fin du tour, en fait. Vol de la réalité pour 7. Ce sort coûte un de moins lancé pour chaque artefact que vous contrôlez. Regardez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler jusqu'à 2 cartes d'artefacts parmi elles et les mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. C'est un éphémère, c'est plutôt pas mal, on dira. Aéromoto-Vélos pour 2, c'est une 2-2, vol, flash. Quand l'aéromoto-Vélos arrive sur le champ de bataille, engagez jusqu'à une créature ciblée et ça pilotage 1. C'est pas mal. Regarde 2, donc c'est une commune. Alors, oh, Mojin de l'Aube Florissante. Pour 8, c'est une 4-6. Le Mojin de l'Aube Florissante arrive sur le champ de bataille avec un marqueur indestructible sur lui. Si vous avez lancé depuis votre main, retire un marqueur indestructible du Mojin de l'Aube Florissante. Créez un jeton de créature 1 couleur esprit pour chaque permanent que vous contrôlez. Mouais. Je trouve moins fun que l'autre. Ça te permet de rediriger des marqueurs et où. Ouais, non, mais c'est clair. Alors, oh, Tamichi Artistique de la réalité. Pour 3, c'est une 2-3. Chaque fois qu'au moins un permanent non-créature est renvoyé en main, piochez une carte. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Et pour un blanc et X, renvoyez un terrain que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Envoyez sur le champ de bataille une carte d'artefact ou d'enchantement ciblé avec une valeur de mana inférieure ou égale à X depuis votre cimetière, n'activez que lorsque vous pouvez lancer un rituel. Oh, ça me donne une idée, ça. La feuille, samouraï béni par les cieux. On a eu la version alternative tout à l'heure, avec la 4-4 vol qui coûte un de moins par enchantement. Et une carte de The List, Call of the Nightwing pour 4. On met un token 1-1 bleu et noir horreur avec le vol sur le champ de bataille et Cipher. Oula. Quand vous pouvez exiler ce sort. Quelle carte? Encoded, je vois pas. Je crois qu'on peut le mettre sous une créature. À chaque fois que cette créature inflige des dommages de combat à un joueur, son contrôleur peut. Invoquer une copie de cette carte sans payer son mana. Oui, donc on peut l'attacher à une. Oui, on peut l'attacher à une créature. Et à chaque fois que la créature inflige des dégâts au joueur, on crée un token. Je ne me souvenais plus de cette mécanique. Alors, ça nous fait 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Bon booster, on va dire. On a une carte de The List. Eh ben, 99. Et on a dépassé les 100. Bien sûr qu'on dépasse les 100. Même si on a un mauvais booster. Et on aura un petit plus. Donc c'est déjà pas mal. Toi, tu te fais désintégrer en face, non? Alors, repousser l'abject. Petit terrain double langue qui fait gagner des points de vie. Donc, héritière du croc ancien. Archétype des gangros. Croissance greffée. Culture minutieuse. Saison du renouveau. Né pour piloter pour 3. On enchante un artefact ou une créature. Tant que le permanent enchanté est une créature, il gagne +1/+1 pour chaque créature et ou véhicule que vous contrôlez. Et en version de transfert, défaussez-vous de nez pour piloter, créez 2 jetons de créature 1-1 incolore, pilote avec cette créature, pilote les véhicules comme si sa force était supérieure de 2. Moi, c'est des petits pilotes, c'est plutôt pas mal. Dans un deck qui va bien. Alors, pour un blanc, une 2-1, la championne mécanicienne pilote les véhicules comme si sa force était supérieure de 2. Donc, elle peut piloter pour 4. Les longs confins de la nuit, chaque adversaire sacrifie une créature à moins qu'il ne se défausse d'une carte. Et exiler cette saga, puis ça devient une 0-4. Oh, peut-être une carte de The List. Ça devient une 0-4 menace. À chaque fois que l'animus des confins de la nuit attaque, il gagne plus X, plus 0, jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de cartes de créatures dans le cimetière du joueur défenseur.
l'utilisant sur Magic Arena, si la personne n'a pas de créature à sacrifier, n'est pas obligé de défausser une carte. Oh, encore ? Eh bien, et ça fait le troisième qu'on a, Mojin. Enfin, Myojin. On a eu le bleu, on a eu le blanc, et là, on a le rouge. Le prochain, c'est quoi ? Le noir ? Myojin des lames résistantes pour 8, donc c'est une 7-4. Le Myojin des lames résistantes arrive sur le champ de bataille avec un marqueur indestructible sur lui. Voilà, si on l'a lancé depuis la main. Retirez un marqueur indestructible du Myojin des flammes résistantes. Choisissez jusqu'à 3 cibles. Il inflige 7 blessures à chacune d'elles. Ouch! Ok, lui, il est un petit peu mieux que l'autre. Donc la rare. Invocation des anciens, mais on avait eu celle en blanc. Donc pour 4. Vert et un incolore. Créez deux jeunes créatures 4-5 vertes esprit. Pour chacun d'eux, mettez selon votre choix un marqueur vigilance et un marqueur portée ou un marqueur piétinement sur lui. Ok, pas mal. Sympathique. Marionnette du dramaturge pour 4. Et on a encore une carte de The List. Donc Reduce to Memory pour 3. Donc on exile. Une cible permanente non terrain et son contrôleur crée une 3-2 rouge et blanche token esprit. Non, créature token esprit. Alors, donc ça fait 2, ça fait 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Thérèse. Ok, allez, dernier booster, et comme c'est parti, là, est-ce qu'on va dépasser les 386, ou être pas très loin, l'île est comme ça, le dragonnet. C'est un AO, le ciel de l'aube, donc le petit terrain n'est pas foil. Alors, embusqueur de Mokutai. Ah, Kappa démolisseur de technologie qu'on a eu en version normale un petit peu plus tôt. Il est plutôt joli comme ça. Archer du bosquet de bambou, havre inexploré, sombré dans l'antiquité. Hangar à mecha, donc pour un incolore. Alors ça rajoute un mana incolore. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts de pilote ou de véhicule. Et un véhicule ciblé devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. Ça permet de ne pas être obligé d'avoir de pilote avec ce terrain. Mecha mobilisateur pour 2, c'est une 3-4 vol. À chaque fois que le mecha mobilisateur devient piloté, jusqu'à un autre véhicule ciblé que vous contrôlez devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. Et c'est un pilotage à 3. C'est plutôt pas mal. Moi, je l'aime bien celle-là. Prototype du prodige pour 3, c'est une 3-4. À chaque fois qu'au moins un véhicule que vous contrôlez attaque, crée un jeton de créature 1 color pilote. Avec cette créature, pilote les véhicules comme si sa force était supérieure de 2. Et il a un pilotage à 2. Alors, compte maître de maître Sushiro. Et on a, cool, enseignement des Kirin. Quoique, non, elle n'est pas terrible celle-là. Mêlez 3 cartes, créez un jeton de créature 1, esprit incolore. Mettez un marqueur plus 1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et quand on l'exile, donc on aura un jeton trésor. Ça devient une 1-1 à chaque fois que l'Oroki touché par les Kirin attaque, choisissez l'un. Exilez une carte de créature ciblée depuis un cimetière. Quand vous faites ainsi, créez un jeton de créature 1 color esprit ou exilez une carte non créature ciblée depuis un cimetière. Quand vous faites ainsi, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Ça peut être intéressant de le mettre sur lui. Ok, la foil. Camille des ombres agitées et on a un token. Allez, hop. Donc ça fait 2, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Bon, dernier booster, ok. Ah, ça nous fait un bon petit scoring là, sur les 10 premiers. Si ça continue comme ça, moi je suis content. Hein. Hop, petite pause de quelques secondes, le temps que je buve un truc. Allez, hop là. J'essaie de... C'est un oiseau, ça? Ou un dragon?
Ok, cool, un petit terrain. Appel de l'esprit sœur. Donc le petit terrain, donc il est normal, hein, il n'est pas foil. Vigile Doboro. Kitsune, Blizzard de l'âme pour 3, signe de 2, Ninjutsu à 4, double initiative qu'on avait eu en version normale. Ronaki. Oh, c'est bien, on en a eu 3 là, c'est cool. Donc parachèvement de Tamio, sauvegarde de Tamio, intervention de la vagabonde. Ils vont me donner Tamio dans celui-là de booster. Récupération d'Okiba pardon, pour 5. Renvoyez une carte de créature ou de véhicule ciblé sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Puis mettez 2 marqueurs +1/+1 sur ce permanent si vous contrôlez un artefact et un enchantement. Ouais. Je pense qu'il y a mieux. Pour 3, une 0-4 piétinement, le robot éboueur incontrôlé gagne +1/+0 pour chaque carte d'artefact et ou enchantement dans votre cimetière. Oui. Bon, après, il faut faire un deck autour. Contempler l'innommable, ça m'en fera encore une de plus à rajouter. Pour 5, donc les créatures que vous ne contrôlez pas gagnent moins 2, moins 0 jusqu'à votre prochain tour. Si vous avez une carte là, ou moins en main, piochez 4 cartes. Sinon, regarde puis piochez 2 cartes. Et quand l'exil, donc on n'aura pas de carte de The List, on a une créature vol piétinement. La vision de l'innommable gagne +1/+1 pour chaque carte dans votre main. Ce qui est plutôt pas mal. Allez, la rare. Oh, cool! Pour 4, renvoyez jusqu'à une cible créature ou Planeswalker dans la main de son propriétaire. Renvoyez une carte d'artefact depuis votre cimetière dans votre main. Si vous ne pouvez pas le faire, piochez une carte. Et quand on exile la saga, ça devient une 3-3 vol. À chaque fois que vous lancez un sort, vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort avec la même valeur de mana que ce sort jusqu'à votre prochain tour. Ah oui, pendant un tour complet. Oula, mais c'est. Waouh! Oui, on peut être fort. On a eu un colosse de foudre acier et on avait vu qu'on avait un petit truc tout pourra. Alors, ça fait 2, ça fait 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez. Tadam, tadam. Jolie petite créature. Oh, encore un terrain comme ça, cool. Tamio charge parachevé. Donc il est normal, plutôt joli cette plaine. J'ai un doute, non, il est pas. Alors Samouraï béni par les cieux qu'on a déjà eu. Infiltrateur et chronote. Alors, don de rage, offrande porte-bonheur, Camille de l'industrie, flambement de Camille, Goshintai de la vigueur vagabonde pour 2, signe 1-1, donc c'est un reliquaire. Piétinement, au début de votre étape de ferme, vous pouvez payer 1. Quand vous faites ainsi, mettez un marqueur +1/+1 sur un reliquaire ciblé pour chaque reliquaire que vous contrôlez. Moi, je me tape un délire de deck reliquaire un moment. Ça, c'est. Oh, je veux peut-être sur. Ah, bah tiens, c'est un autre derrière. Gonchiga des gardes anciennes pour 3, signe de 2. Initiative. Au début de votre étape de fin, vous pouvez payer 1. Quand vous faites ainsi, le Gonshintai des guerres anciennes affiche X blessure à une cible, joueur ou Planeswalker, X étant le nombre de reliquaires que vous contrôlez. Il y en a encore derrière? Ah, ben non. De nombreux voyages. Les nombreux voyages d'Azusa. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci, gagner 3 points de vie et. On n'a pas une carte de The List. Et à chaque fois que l'apparence de la quêteuse devient bloquée, dégagez jusqu'à 3 terrains que vous contrôlez. C'est plutôt pas mal. Alors, Grescroc Caïd d'Okiba pour 3, c'est une 4-3. Au début, c'est un pilote en plus. Au début du combat, pendant votre tour, renvoyez sur le champ de bataille une carte de véhicule ciblée depuis votre cimetière, à laquelle la célérité. Renvoyez dans la main de son propriétaire au début de votre prochaine étape de fin. Ah, c'est cool, c'est-à-dire que tu la prends du cimetière, tu la mets en jeu. Tu peux l'utiliser tout de suite et après tu peux la remettre dans ta main. Tu la remets dans ta main. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympa. Si elle a des effets d'arrivée de jeu, tu peux la reposer en plus derrière pour refaire un effet. Alors, serment impérial. Et on a vu qu'on avait un token. Ça donne envie de faire aussi un deck véhicule. Alors, nous avons du 3 à 5. 6, 7, 8. 9, 10, 11. Là, j'ai quelques decks en préparation, là, mais j'ai pas les cartes encore sur.
sur Magic Arena. J'ai un deck ninja, j'ai un deck samouraï, mais j'ai pas encore toutes les cartes que je veux dessus. Enfin, je pourrais les crafter, mais j'attends un petit peu. Oula, alors comment on regarde, ça va être comme ça. C'est un joli trône avec un chien dessus. Et c'est Yoshimaru, toujours fidèle. Bon, un chien normal. Non, il n'est pas foil. Alors, nous avons spécialiste en collet lunaire. Derrière, nous avons perce-sort direct. Entrée explosive, incision planaire. Oh, c'était rapide là. Encre d'assassin pour 4. Ce sort coûte 1 de moins à lancer si vous contrôlez un artefact et au moins. Et 1 de moins à lancer si vous contrôlez un enchantement. Détruisez une cible, créature ou planeswalker. Ça peut être sympa. Naomi Pilier de l'Ordre pour 5, c'est une 4-4. A chaque fois que Naomi Pilier de l'Ordre arrive sur le champ de bataille ou attaque, si vous contrôlez un artefact et un enchantement, créez un jeton de créature 2-2 blanc samouraï avec la vigilance. Je l'ai eu en faisant un mode un peu spécial de Magic Arena, celle-là. Ça me l'a donné. Bojetsu, atteindre le ciel. Celle-là, moi, je la joue dans plusieurs decks. Elle est plutôt pas mal. Pour 4, donc cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de forêt de base. Révélez-les, mettez-les dans votre main, puis mélangez. Donc, mettez jusqu'à une carte de terrain ciblée depuis votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque. En général, je ne le fais pas. Sauf si j'ai vraiment besoin de ce terrain-là. Et on aura un token. Et ça devient une X00, donc elle gagne plus 1 pour chaque terrain que vous contrôlez. Ce qui est plutôt pas mal. Et elle a la portée, ça aussi c'est plutôt pas mal. Oh bah tiens encore, bon, on l'a déjà eu. Hein. Mojin de l'aube florissante. Bon, pour du commandeur, c'est pas ouf, mais... Oh my god, les lames lézards en version néon. Oh yes. Lame lézard pour 2. C'est une 1-1, double initiative. La créature équipée à la double initiative. Reconfiguration 2. Et je pense que j'ai encore au moins une rare derrière. Ouais, c'est ça. Ouf, ça va être un bon booster. Bon, ça va être considéré comme une full art. Hein. Je le dis tout de suite. Et derrière, on a l'éventreur d'âme Mokotai. Pour 2, c'est une 4-3. À chaque fois que l'éventreur de Mokotai attaque, vous pouvez sacrifier un autre artefact ou une autre créature. Si vous faites ainsi, mettez un marqueur +1/+1 sur l'éventreur d'âme Mokotai et acquiez la menace jusqu'à la fin du tour. Pilotage à 2. Ça donne vraiment envie de faire un deck vide. Allez, la foil. Plus une Unco, donc une 3-3 pour 3. Défenseur, quand la sentinelle de Rito arrive sur le champ de bataille, un joueur ciblé meule 3 cartes. Et pour 3, mettez une carte ciblée depuis un cimetière au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Ok. Marrant. On va être dans un deck un peu spécifique, pourquoi pas. Et là, il n'y a rien. Oh, c'est un bon booster, ça. Il est 1h43, il fait... Voilà ce que je subis. Voilà ce que je subis tous les jours. Je ne sais pas si vous entendez. Et là, il est hors horaire. Normalement, c'est à 15h qu'il devrait... il devrait reprendre. Il devrait pas... Normalement, on fait pas des travaux à cette heure-ci. Alors, ça fait 2... 3... 4... 5... 6... 7... Donc 8... 9... Plus 4, ça fait 13... 14... 15... 16, 17. Bon booster. Il continue, je vais monter, je vais aller le voir après le live, je vais dire que faut qu'il respecte les horaires, sinon ça va mal se passer. Il y a des horaires légaux où on peut faire des travaux. Faut pas les faire n'importe quand. Alors. Je coupe, je reviens.
Désolé, bon, j'ai pas trouvé la personne, ça me saoule. Ça m'énerve. Je verrai après le live, j'irai lui dire deux mots. Allez, je vais souffler. Marchand Mdokuchi, Subjectatis Impérial, donc déferlement de voltage, l'heure en origami, sculpte champ de Tawashi, 1000 pas de Philochen, j'ai soufflé. J'ai speedé. Alors, détruisez un artefact ciblé, un enchant ciblé ou une créature engagée ciblée. Puis, si vous contrôlez un artefact et un enchantement, créez un jeton de créature blanche de 2 samouraï avec la vigilance. Plutôt sympa. Quand nous étions enfants pour 4, jusqu'à 2 créatures ciblées, gagnent chacune plus de plus jusqu'à la fin du tour. Si vous contrôlez un artefact et un enchantement, ces créatures acquièrent aussi le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Moins fan de ça. L'ère moderne. Alors, Goro Goro, disciple de Rushei. Ah bah tiens, il y a un pote qui l'a voulu, celle-là, je crois. Il aimait bien le design du... Est-ce que je viens de le tuer? Non, je viens de pas le tuer. Il a fait un opening de son cadavre. J'ai lu dans ses entrailles pour savoir si j'avais un Planeswalker. Donc les créatures que vous... Alors c'est une 2-2 pour 2. Les créatures que vous contrôlez acquièrent la sérénité jusqu'à la fin du tour. Et là, c'est le son, c'est la musique, ça me... Ça y est, je suis perturbé. J'en peux plus, ça fait des mois qu'il y a des gens qui font des travaux, j'en peux plus. Un jeton de créature 5-5 rouge dragon et esprit avec le vol, n'activez que si vous contrôlez une créature modifiée attaquante. On a un grand tanuki et on a rien du tout. Alors. Ça fait 2, ça fait 4. 5, 6, 7, 8. 9 petits boosters. Attendez 2 secondes, je me suis mis en jean, je vais me remettre en... Ok, allez. La suite. Oula. Qui c'est lui? Jinji Taxia, tyran du progrès. Donc le petit terrain, pas foil. Samouraï, lame soleil. Héritière du croc ancien. Et c'est tout. Extraction des Héliastes, marché des Héliastes, retour à l'action, winner des tréfonds, ancrer la réalité pour 4. Donc, en tant que coup supplémentaire, pour lancer ce sort, sacrifier un artefact ou une créature, chercher dans votre bibliothèque une carte d'équipement et ou de véhicule, mettez-la sur le champ de bataille, puis mélangez. Si elle a une valeur de mana inférieure à la valeur de mana du permanent sacrifié, regarde. Ouais, ça peut être pas mal. Construction de confinement pour 2, c'est une 2-1. À chaque fois que vous vous défaussez d'une carte, vous pouvez exiler cette carte depuis votre cimetière. Si vous faites ainsi, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Oh, ça donne des idées, ça. Oh, notre ami, la vie de Toshio Umezawa pour 2. Celle-là, je la joue dans mon deck saga. Une créature ciblée donc gagne plus de 2 jusqu'à la fin du tour, ou une créature ciblée gagne moins 1 jusqu'à la fin du tour, ou vous gagnez 2 points de vie. Et après, on l'exile. On peut le faire 2 fois, donc. Et on crée une 2-3, mais pour payer un point de vie, on ajoute un mana, on ne dépense que pour lancer des effets maudits rituels. Mais ça, je ne l'utilise pas. J'utilise vraiment l'autre capacité. Celle-là, on l'a déjà eu. Créature légendaire, Luminaire sorcier, on l'a eu un petit peu avant. La foil, le pillage des Elias d'Okiba. Et rien du tout. Allez,
Donc ça fait 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, booster de base, on va dire. Allez. Alors, petite image. Oh, ses jambes sont spéciales, elle. Donc, c'est créatrice de casse-tête lunarienne. Lunarienne, pardon. Donc, le petit terrain. Alors, Vigile Doboro. Donc, plutôt magnifique. Spécialiste en collet lunaire. Et c'est tout. Intrus Saiba, hackeuse de circuit lunaire, perturbateur de réseau, et on a déjà, ah bah tiens, encore un, encore une relique, enfin un reliquaire, Goshintai de la cruauté cachée, donc c'est une 2-2 contact mortel pour 4, au début de votre étape de fin, vous pouvez payer 1, quand vous faites ainsi, détruisez une créature ciblée avec une endurance inférieure ou égale à X, X étant le nombre de reliquaires que vous contrôlez. Alors il y a un artefact qui permet de... Parce que comme elle est légendaire, il y a un artefact qui existe qui permet qu'on n'a plus, on n'a plus la limite au niveau des légendaires. Donc, mais bon, c'est dangereux s'il se fait gérer. Ah bah tiens, voilà le dernier. Créature enchantement légendaire reliquaire. Pour 2, c'est une 0-4 vol. Au début de votre étape de fin, vous pouvez payer 1. Donc vous faites ainsi, un joueur ciblé meule X carte, X étant le nombre de reliquaires que vous contrôlez. Donc il y a 5 couleurs. Donc 5 reliquaires, donc tu peux arriver jusqu'à 5. Mais bon, on joue à 5 couleurs, faut les bons terrains. Contempler l'innommable qu'on a déjà vu un petit peu plus tôt. Lara, oh, même pas. Deuxième, bah celle-là aussi on a vu. Bodhisattva atteint le ciel. Et la rare donc. Bah notre petite Tamio. Bah ça fera deux fois Tamio. Hein. Ça fera deux fois Tamio. Mais est-ce que je l'avais pas eu en version. Attendez, je regarde. C'est la version alternative, c'est la version normale ça? En train de regarder. J'ai un doute. Je l'ai mis où? Vous voyez, j'ai perdu maintenant, mais ça c'est des. Non, c'est la version normale. Je l'avais eu foil la dernière fois. Mais j'ai mon Planeswalker. Mais ça me fait chier, ça fait deux fois le même. J'aurais préféré avoir un autre. Mais bon, c'est déjà bien, hein. C'est un Planeswalker de plus dans la liste. Donc c'est Time Osage parachevé qui coûte donc qui coûte 5 ou 4 et 2 points de vie. Parce qu'en fait là il y a c'est le symbole de points de vie. Vous avez soit c'est soit on peut jouer du bleu, soit on peut jouer du vert, soit on peut payer des points de vie. Donc parachevé. Donc si on paye du mana en points de vie. Si les points de vie donc, ont été payés, ce Planeswalker avec deux marqueurs loyauté en moins. Donc elle sera pas à 5 en loyauté, mais à 3. Donc pour un, c'est engagé jusqu'à un artefact ciblé et jusqu'à une créature ciblée. Elle ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Pour moins X, exilez une carte de permanent non terrain ciblée avec une valeur de mana de X depuis votre cimetière. Créez un jeton qui est une copie de cette carte. Et après, pour moins 7, on crée la tablette de Tamio. Un jeton d'artefact incolore légendaire avec les sorts que vous lancez coûte 2 de moins lancés et piochez une carte. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez hop, derrière on a en foil le sanglier de Platebonze. Une 3-2 pour 3, piétinement. La créature équipée gagne plus 3, plus 2, il y a le piétinement. Et reconfiguration 5 pour l'équiper, enfin pour l'attacher. Ok. Et derrière on a une carte de The List. Donc pour un rouge ou un vert. On a le guttural rép la réponse gutturale. On contre un sort bleu. Ok. Ça, dans certains decks, ça doit être en side. Allez. Donc ça c'est un bon booster, ça. Ça fait 2, ça fait 4. 5, 6, 7, 8. Donc 8. Donc c'est 10. Donc ça fait 18. 19, 20, 21. Bon, ça fera deux fois le même, c'est pas très grave. Mais ça nous fait un sacré boost là. 21, donc ça nous fait 204. Et on a dépassé les 200 alors que. Ouais, bon, c'est un peu normal. Ah!
J'ai pété ce booster, donc ça va être un bon booster. Je vais casser un petit peu le bord. Bon, déjà, on a peut-être une carte de The List. Avec un joli petit monsieur qui tire la mitrailleuse. Un samouraï avec une mitrailleuse, pourquoi pas. Allez, c'est quoi Ishin, réunion des firmaments qu'on a eu d'ailleurs en plus. Alors, la caverne qui est pas foil. Nous avons un samouraï dévoué. Donc pour 2, c'est une 2-2. À chaque fois qu'un samouraï ou qu'un guerrier que vous contrôlez attaque seul, il acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Et on peut le sacrifier. Une autre créature ciblée que vous contrôlez acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. On a Mentor 7 queue. Alors, brise-acier de ferraillerie, sphère mnémonique, familier gantelet, crabe à carapace miroir. Alors, soif de connaissance pour 2, piochez 3 cartes, défaussez-vous ensuite de 2 cartes, à moins que vous ne vous défaussiez d'une carte d'artefact. Ça peut aller en combo avec l'autre, là, si on défausse des cartes, on peut l'exiler et on peut la jouer tout de suite. Ça peut être marrant. Franc-tireur double tir pour 4, c'est une 2-3 portée. Quand le franc-tireur double tir arrive sur le champ de bataille, il inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Et on peut la jouer en transfert. Donc, défaussez-vous du franc-tireur double tir, il inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Un petit blast pour un finish. Ça peut être sympa. L'air des états fracassés. Et on a dévoreur des vertus pour 1. C'est un artefact légendaire équipement. À chaque fois que la créature équipée meurt, exilée-la. La créature équipée gagne +2/+0. Tant qu'une carte exilée par le dévoreur de vertu a le vol, la créature équipée a le vol. C'est vrai aussi pour l'initiative, la double initiative, le contact mortel, etc. Pétiment et la vigilance. Ok. Ça peut être marrant à jouer avec un deck fait autour. Renard renforcé pour 1, c'est une 2-2 célérité. Au début de votre étape de fin, envoyez le renard renforcé dans la main de son propriétaire. Et en transfert, on peut le défausser pour piocher une carte. C'est le machin, c'est boum, j'attaque pour 2, je le renvoie dans ma main. J'attaque pour 2, je le renvoie dans ma main. Donc s'il n'y a pas de bloqueur en face, je me le suis déjà pris hein, plusieurs fois, c'est... Oui. Et est-ce qu'on a... Ouh, et on a une carte de The List. Aura Shard pour 3, c'est un enchantement. Chaque fois qu'une créature arrive en jeu sous votre contrôle, vous pouvez détruire un artefact ou un enchantement. C'est sympa. Donc les decks qui ont des artefacts, des enchantements, c'est gratuit, bonjour. Allez, donc ça fait 3, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça n'a pas été un mauvais booster. Pas extraordinaire, mais pas un mauvais. Maintenant, il faut que j'arrive à remettre dedans. Voilà, sans que ça bousille plus le booster. Parfait. Allez. Encore 3 boosters, on aura fait les 2 tiers. C'est bien, il y a des outils. C'est une guérisseuse de quelque chose. Culture minutieuse de cartes d'illustration. D'accord. Le terrain est foil. Ça fera un petit point de plus. Alors, nous avons Renard renforcé qu'on a eu juste avant, mais là on a la version alternative et je crois que ça fait ma quatrième en alternative. Renard acquis. Donc, Carpcoïde désert. Terratium de l'écologue. Prototype du collet lunaire. Alors, chef des laquais. Pour 1, signe 1-2, on peut sacrifier un artefact ou une créature et on pioche une carte. Tout sympa. Enclume des cultes des Oni, ça je l'ai pris plein de fois dans la gueule ce truc là. Pour 2, c'est un artefact. À chaque fois qu'au moins un artefact que vous contrôlez quitte le champ de bataille pendant votre tour, créez un jeton de créature artefact 1-1 color construction. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Et on peut sacrifier un artefact. L'enclume du culte des Oni inflige une blessure à chaque adversaire et vous gagnez un point de vie. Il y a un gars à un moment, il en jouait 3 en face de moi, mais bon, je récupérais plus de points de vie que ce qui m'en mettait. Donc ça allait. Contempler l'innommable, on l'a déjà vu. Celle-là, ça doit faire je sais pas combien de fois que je l'ai eu. Ah bah tiens, on a le noir maintenant, ça y est. Je crois qu'on les a tous eus. Non, il manque le vert, je crois. Mojin de la sinistre trahison pour 8, c'est une 5-2. Le Mojin de la sinistre trahison arrive sur le champ de bataille avec un marqueur indestructible sur lui si vous l'avez lancé depuis votre main. Retirez le marqueur indestructible du Mojin de la sinistre trahison. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières qui ont été mises d'où qu'elles viennent ce tour-ci.
Ok, donc ça veut dire que même celle de l'adversaire, tu peux récupérer. Ça peut être marrant. Derrière, on a Restauration Brillante pour 4 et 3. Qu'est-ce que c'est? On met sur le champ de bataille toutes les cartes d'artefacts et d'enchantements de votre cimetière. Oh my god. Il faut arriver à la jouer. Hein. Oh là là là. Allez, la foil. Oh! Takenuma Marée Abandonnée. Ça, c'est cool. Terrain légendaire, ben ça fera. Je l'ai eu en version normale, je l'ai eu en version alternative. Et là, je l'en foil. C'est cool. Donc, ajoutez 1, transfert à 4. Défaussez-vous de Takenuma, Marée Abandonnée. On meule 3 cartes, puis on renvoie une carte de créature ou de Planeswalker depuis votre cimetière dans votre main. Cette capacité coûte 1 de moins à activer pour chaque créature légendaire que vous contrôlez. Et après, est-ce qu'on a une carte de The List? Non. On a un token esprit. Bien sympa, ça, ce petit terrain. Alors, ça fait 1, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Non, non, on est bien là. On est plutôt pas mal. On va peut-être faire un bon scoring là. On va peut-être même dépasser les 365, si ça continue comme ça. Non, c'est un deuxième Planeswalker et je serais bien. Que j'ai pas, bien sûr. Donc, Camille de l'Industrie. Oh, le Capitaine Asari pour 5, c'est une 4-3 célérité. À chaque fois qu'un samouraï ou un guerrier que vous contrôlez attaque seul, il gagne plus 1, plus 0. Jusqu'à la fin du tour, pour chaque samouraï ou guerrier que vous contrôlez. Pas mal. Ah, on en a eu qu'un. Donc, spécialiste en collet lunaire, créatrice de casse-tête lunarienne, vigile d'Oboro. Vous savez, j'ai les versions normales au lieu d'avoir les versions. Goshidnen de la vocation partagée pour 4, c'est une 1-3 vigilance au début de votre étape de fin. Vous pouvez payer 1 si vous faites ainsi créer un jeton de créature 1-1 couleur esprit pour chaque reliquaire que vous contrôlez. Ça y est, on les a tous vus, je crois, les reliquaires. Reliquaire en bord de route. Sacrifier le reliquaire de bord de route, piocher une carte si vous contrôlez un artefact, piocher une carte si vous contrôlez un enchantement. Ça peut être sympa. Les longs confins de la nuit, on l'a déjà vu. Hein, ça crée la 0-4. Oh, Kotori prodige pilote. D'une 2-4 pour 4. Les véhicules que vous contrôlez ont pilotage 2. Ah ouais. Au début du combat, pendant votre tour, une créature artefact ciblée que vous contrôlez acquiert le lien de vie et la vigilance à la fin du tour. Sympa ça, pour faire un commandeur pilote, ça peut être très marrant. Enfin, avec des véhicules, ça peut être très sympa. Allez, derrière, on... Quoi? Comment ça se fait qu'il y a un terrain là? Mais what? C'est quoi ce booster? Normalement, j'aurais dû avoir la rare là. J'ai eu un terrain à la place. Et il reste encore la rare et la foil. Bah écoutez, tant mieux. Renaissance du Camille Dragon pour 3. Vous gagnez 2 points de vie. Regardez les 3 cartes du dessus de la bibliothèque. Exilez l'une d'elles face cachée avec un marqueur éclosion sur elle. Puis mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Et après, on l'exile et ça devient une 2-2. Non, c'est une 0-1. Et à chaque fois que l'œuf du Camille Dragon ou un dragon que vous contrôlez meurt, vous pouvez lancer un sort de créature parmi les cartes que vous possédez en exil avec des marqueurs éclosion sur elle sans payer son coût de mana. Ce qui est plutôt pas mal si tu joues un deck fait autour. Et on a l'Unco, c'est Apprivoiser les Phalènes. Et bah, on avait vu qu'on avait un petit pilote. Bon, ben, sympa le booster celui-là. Un terrain de plus, pourquoi pas. Donc ça fera 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14. Cool. Là, je retrouve plus comme la première boîte où c'était vraiment une ouverture plutôt pas mal. Contrairement à la deuxième boîte. La deuxième boîte, je trouve qu'elle était un peu tristoune. Enfin, on a eu un bon scoring, hein, je ne dis pas le contraire. Mais je trouve que là, on se retrouve plus dans des boosters comme on avait eu dans la première boîte. Alors, on est comme ça, le monsieur. Ah bah lui on l'a eu, c'est Ishin machin là. Ishin Réunion des Firmaments. Il y a deux versions en fait. Tout à l'heure c'était la version alternative.
Le terrain est normal. On a un infiltrateur Ichronote. Une subjugatrice impériale. Un samouraï sans égal. Et on en a eu que 3. Terminal du réseau. Artificier automatisé. Sanglier sabot de fer. Et on passe dans les zones co. Alors, fondeur du Sokenzan pour 2, c'est une 2-2. Au début du combat, pendant votre tour, vous pouvez payer 1 et sacrifier un artefact. Vous faites ainsi créer un jeton de créature artefact 3-1 rouge construction avec la célérité. Ok, juste avant le combat, donc tu peux le. Tu sacrifies, tu peux avoir une créature 3-1 qui attaque en même temps. Réacteur de bande dragon pour 2. À chaque fois que le réacteur de bande dragon ou qu'un autre artefact arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur charge sur le réacteur de bande dragon. Pour 4, sacrifier le réacteur de bande dragon, il inflige un nombre de blessures égal au nombre de marqueurs charge sur lui à un joueur ciblé et autant de blessures jusqu'à une créature ciblée. Ça peut être sympa. Faire un deck autour. R de l'illumination et hop là, et j'ai oublié de mettre ma Penwalker directement dans le classeur, j'ai été très con, c'est pas grave. Translation d'âme pour 3, choisissez l'un, si vous contrôlez un artefact ou un enchantement au moment où vous lancez ce sort, vous pouvez choisir les deux. Donc exilez une cible, créature ou Penwalker ou renvoyez une carte de créature ou de Penwalker ciblée depuis votre cimetière dans votre main. La foil, apprenti de fer et on a une carte token. Allez, donc ça fait 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Standard. Alors, on a fait les deux tiers, et on a un bon score déjà, là. Là, si on fait que 10 sur tous les boosters, on arrive en dessous de... De la boîte Kamigawa, mais je pense qu'on aura au-dessus. Sur cette extension, j'ai l'impression qu'on a très rarement des boosters qui coûtent peu cher. Allez, les 10 derniers, puis après on passera aux réjouissances. À ouvrir les deux boosters collector. Allez, un petit samouraï. Bah c'est pas Ishin aussi. Non, c'est pas Ishin. Capitaine Asari. Ben non, on l'a eu juste avant en plus. Un petit terrain sympathique. Sacre lame les zoomis. Et c'est tout. Repousser l'abject. Camigio thermique, pardon. Communion avec les esprits. Très, très bonne carte. Ça, je m'en sers dans mon deck saga. Grand Tanuki. Croissance greffée. Ok. Naturaliste de Junkai pour 2. C'est une 2-2. Lien de vie. Les sorts enchantements que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. J'hésite, faudrait que je le mette peut-être dans mon deck saga, ça pourrait être pas mal, mais j'ai peu de créatures dedans. Cerf au bois fleuri pour 3, enfin pour 5, pardon, c'est une 4-4 portée. Quand le cerf au bois fleuri arrive sur le champ de bataille, regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte de créature ou d'enchantement par email et par email. Parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Si vous n'avez pas mis de carte dans votre main de cette manière, vous gagnez 4 points de vie. Après, nous avons de nombreux voyages d'Asura, qu'on a déjà vu tout à l'heure, qui devient... Ah, on a peut-être une carte de The List. Il y a une 3-3 et que si elle est bloquée, on dégage 3 terrains. La rare, noyau du Méca-Titan pour 2, c'est une 2-4. Donc pour 5, on exile le noyau du Méca-Titan et 4 autres créatures artefacts et ou véhicules que vous contrôlez. Créez le Méca-Titan, un jeton de créatures artefacts légendaires 10-10 construction avec le vol, la vigilance, le piétinement, le lien de vie et la célérité et qui a toutes les couleurs. Quand ce jeton quitte le champ de bataille, renvoyé sur le champ de bataille engagé sous votre contrôle de leur propriétaire, toutes les cartes exilées par le noyau du Méca-Titan, excepté le noyau du Méca-Titan. C'est plutôt pas mal. Après, il faut arriver à gérer la 10-10. Hein. En feuille, nous avons le coup de pied retourné qu'on a déjà vu un petit peu plus tôt. Et on a une carte de The List ? Non, on a encore une carte token. Allez, donc ça fait 2. Ça va être un petit booster, ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Petit booster. Allez. Il va nous falloir faire des... J'ai pas eu de carte full art. J'ai eu une carte néon. Néon bleu. Mais on n'a pas eu de full art pour le moment.
ce qui est rare. Normalement, on doit toujours en avoir un petit peu. Alors, communion avec les esprits, on a un petit terrain foil, donc c'est un point de plus. Technicienne cachée, qu'on a déjà vu hein, plein de fois, qu'on a eu en version normale et en version alternative. Samouraï de l'âme soleil, donc culture minutieuse, saison du renouveau, archer du bosquet bambou, havre inexploré. Terre rugissante pour 2, c'est à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur une cible, créature ou véhicule que vous contrôlez et on peut le gérer en transfert pour 2. Défaussez-vous de la terre rugissante, mettez X marqueur +1/+1 sur un terrain ciblé que vous contrôlez. Il devient une créature 0/0 verte esprit avec la célérité, c'est toujours un terrain. Ça peut être sympa. Je l'avais testé dans un deck, c'était assez marrant à jouer. Après, bon, j'ai pas toutes les cartes sur Magic Arena, donc c'est un petit peu. Difficile de faire vraiment les bons decks qui tournent autour. Conscience éveillée pour 2 et X. Enchanter un artefact ou une créature. Quand la conscience éveillée arrive sur le champ de bataille, mettez X marqueur +1/+1 sur le permanent enchanté. Tant que le permanent enchanté est une créature, il a une force et une endurance de base de 1-1. Ça peut servir aussi à gérer une créature en face pour que ça devienne une 1-1. C'est marrant. L'ère moderne, qui est une commune. Lara, ben, qu'on a déjà eu en vacation de justice. Ça fait ma deuxième. On a eu. Plutôt sympa. En foil, on a le Camille géothermique. Et on a un mini-jeu. Donc ça fait 1, ça fait 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, suivante. Va-t-on battre le record ? Ok, ça c'est Camille, non ? Non. Redjou tranchant de la tempête. J'étais complètement à l'ouest. Alors, hop, plaine. Donc, voleuse prospère, qui est une... On a déjà vu, je crois. Oui, si on fait des blessures, on crée un jeton de trésor. À chaque fois qu'un ninja ou un gredin. Donc ça peut, on peut vite créer beaucoup de trésors. Sombrer dans l'antiquité, émergence harmonieuse, émergence crépitante, assaut ambitieux, oula, furent embrasé, c'est quoi toutes ces communes là ? Tissage d'histoire pour 3, donc on choisit l'un, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, ou mettez 2 marqueurs sapiens sur une saga ciblée que vous contrôlez. La prochaine fois qu'au moins une créature enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, ce tour-ci, chacune arrive avec 2 marqueurs +1/+1 supplémentaires sur elle. Je l'avais essayé, mais j'ai pas trouvé ça super ouf. C'est un peu lent. Sage historien pour 3, enchanté, créature ou artefact. La sagesse de l'historien arrive sur le champ de bataille. Si le permanent enchanté est une créature avec la force la plus élevée parmi les créatures sur le champ de bataille, piochez une carte. Tant que le permanent enchanté est une créature, il gagne +2/+1. Pourquoi pas si on fait un deck autour. Village des Elias d'Okiba, Lara. Oh, une mythique, yes! La guerre des Camis. Ouf, il faut toutes les couleurs. Exiler un permanent non-terrain ciblé qu'un adversaire contrôle. Ok, pour 2, le deuxième tic de Sapiens. Renvoyer jusqu'à un autre permanent non-terrain ciblé dans la main de son propriétaire, puis chaque adversaire se défausse d'une carte. Et ça devient... Ok, Kagashi révélé pour une 6-6. Vol, piétinement, il a toutes les couleurs. À chaque fois qu'Okagashi révélé attaque, le joueur défenseur choisit une carte non terrain dans son cimetière. Envoyez cette carte dans votre main. À chaque fois qu'il attaque, le joueur défenseur choisit une carte non terrain dans votre cimetière. Envoyez cette carte dans votre main. Okagashi révélé gagne +X+0 jusqu'à la fin du tour. X étant la valeur de mana de cette carte. Waouh, si t'arrives à le jouer, mais ça pleure en face. Ouf. Oh yes, deuxième Planeswalker, yes. Et en plus c'est une que je voulais. Oh my god. Oh cette ouverture, ça y est, c'est une des... Je crois qu'on va exploser le score là. L'impératrice vagabonde, elle est excellente. Pour 4, donc elle a 3, elle a le flash, donc ça veut dire qu'on peut le jouer pendant le tour de l'adversaire. Tant que l'impératrice vagabonde est arrivée... sur le champ de bataille, ce tour-ci, vous pouvez activer ses capacités de loyauté à tout moment. Vous pourriez lancer un éphémère. Donc, elle a un +1.
Donc cibler jusqu'à une créature, mettez un marqueur plus 1 sur elle, elle acquit l'initiative jusqu'à la fin du tour. Pour moins 1, on crée un jeton de créature de 2 blanche chamois avec la vigilance. Et pour moins 2, exiler une créature engagée ciblée, vous gagnez 2 points de vie. Toutes ces capacités sont super fortes. Mais yes! Et il me reste encore une carte derrière. Et en plus, une carte de The List en Unco. Sosuke Summon. D'ailleurs, je vais la mettre tout de suite dans le classeur. Donc, mettez deux créatures token serpent vert 1-1 en jeu. À chaque fois qu'une créature non-token serpent arrive en jeu sous votre contrôle, vous pouvez retourner le Sosuke Summon de votre cimetière dans votre main. Ok. Marrant. La rencontre, rapide. Alors, donc ça fait 1. Ça fait 4. 4, 5, 6, 11, 12... 12, 13, parce qu'elle est foil, 23. Bonjour le booster. Eh ben, booster 23, on a fait 23. Donc ça fait 80, 300, pile poil. Hop, allez, on va la ranger dans le classeur des Planeswalkers. Hop là, viens par ici, cocotte. Je ferai un moment, quand j'aurai un nouvel appart, je ferai un petit tour de ma collection de cartes. Bon, ben ça, c'était The Booster. 2 Planeswalkers dans cette boîte. Oh my god. Encore un. Il me faut Camille, là, le dernier. Ben non, c'est pas Camille, c'est Kaito. Il me faut Kaito. C'est bon. Je la complète. Je crois que c'est tout. Hein. Je crois qu'il n'y en a que 3 hein, dans cette extension. C'est déjà bien. Hein. Et nous avons Naomi Pied de l'Ordre. Le terrain est standard. Nous avons le droit à un croc de Shigeki. Peinture de guerre Aki. Un garde-braise. Porteuse de mémoire. Marionnette du dramaturge. Apprenti de fer. Alors, Renégat insurrectionnaire pour 2, c'est une 1-3. Le renégat insurrectionnaire gagne plus 2, plus 0 pour chaque autre créature modifiée que vous contrôlez. Ouais, il peut devenir un peu gros. Oh là, j'y arrive pas. Excrétion de flamme pour 1 et X. L'excrétion de flamme inflige X blessure à une cible créature ou Planeswalker. Si vous contrôlez une créature modifiée au moment où vous avez lancé ce sort, elle inflige X plus 2 blessures à la place. De nombreux voyages d'Asura qu'on a déjà vus. La rare marche de la vie naissante pour 1 et X. Donc, en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez exiler n'importe quel nombre de cartes de vertes depuis votre main. Ce sort coûte de non moins à lancer pour chaque carte exilée de cette manière. Je vais laisser une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure à X. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature du même nom que cette créature. Mettez-la sur le champ de bataille engagé puis mélangé. Ok. C'est un éphémère, donc on peut le faire pendant le tour de l'adversaire. Oh, on a un petit hangar d'Amika derrière. Donc on a déjà vu un petit peu plus tôt, qui permet d'activer les véhicules. Et on a rien. Un token samouraï. Alors. Non, il n'est pas fort, le terme. Non, il n'est pas fort. Mais deux. Le petit booster, celui-là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, viens par là. Après, un booster à 23, ça fait pitié, quoi. T'es à 24, là, j'aurais dû avoir 24. Reste combien? Reste 6 boosters. On va dépasser les 360. Il va falloir encore avoir des dingueries, là. Une troisième Planeswalker, par exemple. Non, qui c'est? Oh, le terrain foil. Vigile d'Obro. Donc, le petit île foil. Stagiaire de Jukai. Kitsune Blizzard de l'âme, qu'on a déjà vu. Spécialiste en collet lunaire, qu'on a déjà vu.
Camille des routables secrets, étreintes perverses, intendant du reliquaire, l'impitoyable pour 3, c'est une 2-3, menace, c'est un esprit. À chaque fois que l'impitoyable attaque, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à X, ciblée depuis votre cimetière, X étant le nombre de créatures modifiées que vous contrôlez. Il faut vraiment jouer avec des trucs modifiés si on veut jouer ça. Énorme larme d'énergie qu'on a eu, l'art. Donc la créature équipée gagne plus 4 plus 0. À chaque fois que l'énorme lame d'énergie devient attachée à une créature, engagez cette créature. Et l'équipement est à 2. Bosquet atteint le ciel, on l'a déjà eu. Derrière, on a Marche de la brume bouillonnante. On va toutes les avoir. Hein. Pour 1 et X. Donc en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, on peut exiler n'importe quel nombre de cartes bleues de notre main. Et ça coûtera 2 de moins. Jusqu'à X créatures ciblées passent hors phase. Donc tant qu'elles sont hors phase, elles sont traitées comme si elles n'existaient pas. Chacune passe en phase avant que son contrôleur ne la dégage pendant sa prochaine étape de dégagement. Nous avons un ganté de la sangsue. Donc pour 2, c'est une 2-2, lien de vie. La créature équipée a lien de vie. Voilà. Et pas une carte de The List. Donc ça fait 1, ça fait 3, ça fait 6, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est mieux. Ah ! Mal ouvert le booster, donc ça va être un bon booster. C'est parce que c'est pas fait exprès. Déjà, il y a peut-être une carte de The List. Ok. Satsuki, la sapience vivante. Donc le terrain de base. Samouraï dévoué. Donc là, on l'a déjà vu. Hein, une de 2 pour 2 qui a deux petits effets avec les samouraïs. Wonder simiesque. Compagnon fanal. Pisteur amené. Ok. Bon, déjà... On a eu quoi, 4 même pas, on a eu 3 communes et on est déjà à Ellen Co. Gourdin de bronze pour 1, donc jusqu'à la fin du tour la créature équipée gagne plus X plus 0 X nombre de fois que cette capacité est résolue ce tour-ci. Ça peut être bien pour un finish. Donc la sentinelle de Reito, on l'a déjà vu. R d'élimination A, à mon avis j'ai une carte, ouh, j'ai l'air d'avoir plein de cartes là. Donc, hop. Oh, oh, c'est une néon rouge. C'est la première fois que j'en ai une. Marche joie de l'imprudence pour 1X. Donc, en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, on peut exiler n'importe quelle carte rouge. Ça coûte 2 de moins. Exiler les X cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer jusqu'à 2 de ces cartes jusqu'à la fin de votre prochain tour. Excellent. C'est plutôt pas mal. Hop. Oh, oh putain, x2! Oh mon dieu! Oh le booster! Une néon bleue maintenant! Dévoreur de vertu pour 1. Donc on l'a déjà vu celle-là. On exile les créatures et ça gagne la capacité. What? Et il y a encore une rare hein, derrière. Hein. Un Penwalker? Non, ça aurait été magnifique. Vengeur de feuilles printanières pour 5. C'est une 6-5 à la ninjutsu 4. À chaque fois que le Vengeur de la feuille printanière affiche des blessures de combat à un joueur, envoyez une carte de permanence ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Plutôt pas mal. Et les cartes néons, normalement, c'est un pas un tous les, je sais pas combien de boosters. Hein. Ça fait la troisième que j'ai là, j'aurais jamais dû en avoir autant. Normalement, c'est 2 à peu près par boîte. Là, j'ai déjà un bonus, c'est déjà cool. La foil, héritière du croix ancien. Et on a une petite rare d'une vieille extension pour 6. Aboshan, donc c'est une 3-3, on peut taper un céphalide qu'on contrôle pour engager un permanent, et si on paye 3 bleus, on peut taper toutes les créatures sans le vol. Je crois que je l'avais déjà celle-là dans ma collection, je l'avais eu celle-là. Or ce booster de ouf, c'est un booster que j'ai craqué, bah oui, voilà. 3.
4, 5. Donc, 6, 7. Plus 4, ça fait 11. 13. 17. 19. 20. 22. The Bomb Booster, deux néons, waouh! Eh, cette boîte, elle régale, hein! Trois néons, deux Planeswalkers. Allez! Ah, le booster qui s'éclate dans tous les sens. Bon, ça devrait rentrer tranquille, là. Voilà. J'ai dit 22. J'ai failli oublier. Voilà, on est bien parti pour battre leur corps, là. Ou être à égalité. Si j'ai 4 boosters à 10, je suis à égalité. De toute façon, c'est la boîte hein, que j'ai achetée avec vos sous. Hein. Enfin, avec vos sous. Est-ce que vous m'avez fait gagner. Pub, etc. Hein. Et abonnement. Ben, Prime, surtout pour certains. Alors, Satoru Umezawa. Donc, terrain de base. Renégat insurrectionnaire qu'on a déjà vu. Oui, bah c'est ça. On l'a eu en version tout à l'heure. J'adore la banane qu'il a, lui. Alors, dette envers les Camis. Camis des ombres agitées. Embusqueur de Mokotai. Cour retirée. Au moment où la cour retirée arrive sur le champ de bataille, choisit un type de créature. Donc ça donne un mana où on ajoute un mana de la couleur de notre choix. On ne dépense ce mana que pour lancer des sorts de créatures du type choisi ou pour activer une capacité d'une créature ou d'une carte de créature du type choisi. Ce qui est plutôt sympa, ça je l'ai mis dans mon deck humain ça. Ok, Hurleur des Ténèbres, je l'avais pas vu celui-là, ça me dit rien. Pour 3, c'est une 2-1 menace. Quand le Hurleur des Ténèbres arrive sur le champ de bataille, renvoyez une carte de permanence ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Si le Hurleur des Ténèbres devait mourir, on l'exile à la place. Ok. Kumano affronte Kakazan, on l'a déjà vu, et j'ai encore, normalement on aurait dû avoir, donc j'ai soit une carte, comment dire, une carte de commandeur, normalement derrière, non, j'ai un deuxième, oh j'ai un terrain, je vois, Bojesu atteint le ciel, donc on l'a déjà vu, encore un terrain comme ça, donc là normalement il y a la rare derrière, même pas, il y a encore, bah, la rare, la foil et la... Notre carte. Donc la rare, le mecha à cœur d'énergie, pour 4 c'est une 5-5, pilotage 4, menace. Quand le mecha à cœur d'énergie arrive sur le champ de bataille, il inflige un nombre de blessures égal au double du nombre de véhicules que vous contrôlez à une cible créature ou plein de cœur qu'un adversaire contrôle. Plutôt sympa. La foil, et un museur d'Okuchi, qu'on a déjà vu, qu'on a eu en version normale. Et on n'a pas The List. Bah dis donc, on aura eu plein de terrains supplémentaires avec les boosters. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. C'est bien parti pour que on batte notre record. Trois boosters. Et là, j'ai que des boosters à 6. Non ! Avec le strict minimum dedans, je suis un peu dégoûté. Alors, c'est reflet de qui Jiki. Donc, terrain de base. Pisteur annulé. Samouraï sans égal. Donc, héritière du croc ancien. Krosugeki. Blâme du maître. Source chaude revigorante pour 3. Donc c'est un enchantement. La source chaude revigorante arrive sur le champ de bataille avec 4 marqueurs +1/+1 sur elle. Les créatures modifiées que vous contrôlez ont la célérité. Retirez un marqueur +1/+1 de la source chaude revigorante. Mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. N'activez que lorsque vous pourrez lancer un rituel et une seule fois par tour. C'est plutôt pas mal si on fait un deck autour. Alors, visiteur généreux pour 1, c'est une 1. Chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Ce qui est plutôt pas mal dans un deck prévu pour. La vie de Toshiro Umezawa, qu'on a déjà vu. Ah, on a une carte en plus. Encore un terrain. Oh, cool. Plutôt cool.
Oh, cool! Ottawa Cité Aérienne. Donc le terrain légendaire. Donc pour 3, défaussez-vous d'Ottawa, Cité Aérienne, renvoyez une cible, artefact, créature, enchantement ou planeswalker dans la main de son propriétaire. Cette capacité coûte un de moins à activer pour chaque créature légendaire que vous contrôlez. La foil. Donc arrestation de l'intercesseur. Et on a une carte token. Alors, nous avons un joli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Booster de base. Bon, c'est bien, j'ai eu deux Planeswalkers dans celui-là, ça rattrape la boîte où j'en ai pas eu. Hein. Donc déjà, on a dépassé la boîte numéro 2. On a fait 365. Là maintenant, à savoir, est-ce qu'on va dépasser... Pardon, c'est comme ça. Ça sent le marais, ça, non? Hop. Bingo. Donc le petit terrain comme ça, blanc, qui est plutôt joli. Alors, agent futuriste. Kunai de ninja, infiltrateur et chronote. Je l'ai passé vite parce qu'on l'a déjà vu. Hein. Marche d'Ombokuchi. Poursuite de Keito. Illuminateur de la tombe pour 3, c'est une 2 de vol. Quand l'illuminateur de la tombe arrive sur le champ de bataille, piochez une carte si une créature est morte ce tour-ci. Sinon, chaque joueur sacrifie une créature. Onde sismique pour 3. L'onde sismique inflige 2 blessures à n'importe quelle cible et une blessure à chaque créature non artefact qu'un adversaire ciblé contrôle. Capture d'essence pour 2. Contrecarrer le sort de créature ciblée jusqu'à la. Pendant qu'aucun un sort de créature ciblée, ciblée jusqu'à une créature que vous contrôlez, mettez un marqueur plus un sur elle. Plutôt sympa. Apprisez les phalènes, qui est une commune. Oh yes! Nous avons le droit à Kerry le ciel tournoyant pour 6. C'est une 6-6 vol. Parade de 3. Quand Kerry le ciel tournoyant meurt, choisissez l'un. Renvoyez n'importe quel nombre de permanents non terrain ciblés avec une valeur de mana. Total inférieur ou égal à 6 dans les mains de leur propriétaire, où on meule 6 cartes, puis renvoie jusqu'à 2 cartes d'éphémère ou de rituel depuis votre cimetière dans votre main. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, je pense que c'est bon, hein. Bah, si, 10-10, c'est nouveau record. Ouais, bah, ça dépend, on peut avoir des boosters qui font moins, mais là, c'est bon, avec lui, on est bien là. Prototype du collet lunaire en foil, et après, on a un petit token construction. Déjà avec celle-là, je crois qu'on est presque au-dessus. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 11, 12. Bon, je pense que même si... Sauf si on fait 6, si on fait 7. Non, si on fait. Ouais, si on fait 7, on est égalité. Notre plus bas booster a été à 8. Donc, je pense que de toute façon, ça devrait être bon. Maintenant, est-ce que ça va être l'apothéose et on va avoir un booster genre à 21 et on arrive à 400? Ce serait, mais. Dingue! Là, je pense que 14, ça va être très dur à battre. Hein. En plus, déjà, on a un terrain foil pour terminer. Tourment Griffant. Donc, on a un petit terrain foil. Avec Stagiaire de Junkai. Et c'est tout. Préservatif de Junkai. Stagiaire de Junkai. Faveur de Junkai. Découvrir l'impossible. Je crois qu'on l'a vu. Ouais, on l'a déjà vu, lui. Non, quoique, regardez les 5 cartes du dessus de la bibliothèque, exilez l'une d'elles, face cachée, et mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Vous pouvez lancer la carte exilée sans payer son coût de mana si c'est un sort d'éphémère avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2. Si vous ne le faites pas, mettez cette carte dans votre main. Bon, je l'avais déjà eu, mais on ne l'avait pas vu. La tortue céleste colossale pour une 6-5 pour 7. Il y a vol parade 2, elle a le transfert à 3 en vert. Défaussez-vous de la tortue céleste colossale, renvoyez une carte ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Il y a un transfert en bleu à 2. Défaussez-vous de la tortue céleste colossale, renvoyez une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Ça peut aider. Il y a deux effets. Après,
compte de mettre Sekiro qui arrive tout de suite et on a encore plein d'autres cartes derrière. Hop là! Allez, technomancien impitoyable. Une drôle de tête. J'arrive pas à voir ce que c'est comme... Oh, désolé, j'ai pas une caméra de ouf. Hein. Pour 4, c'est une 2-4. Quand la technomancienne impitoyable arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier une autre créature que vous contrôlez. Si vous faites ainsi, créez un nombre de jetons trésor égal à la force de cette créature. Pour 3, sacrifier X artefacts. Envoyez sur le champ de bataille une carte de créature de force inférieure ou égale à X ciblée depuis votre cimetière. X ne peut pas être 0. Ok, donc normalement, on a encore... Je crois qu'on a même encore... Ouais, on a 2 cartes encore. Donc ça veut dire qu'on a encore une rare ou une carte un peu spéciale. Ok, on a un terrain. Donc derrière, on a un Planeswalker. Ça aurait été... Mecha cérébro relié pour 3, c'est une 4-3 vol. À chaque fois que le mecha cérébro devient piloté pour la première fois à chaque tour, jusqu'à la fin du tour, le mecha cérébro relié devient une copie d'une créature non légendaire ciblée qu'il a piloté ce tour-ci, excepté qu'elle est 4-3, que c'est un artefact véhicule en plus de ses autres types et qu'elle a le vol. Donc tu fais ça sur une créature qui gagne +1/+1 pour chaque terrain que tu as en jeu, ça devient un gros ton, quoi. Pilotage 1, ça se pilote facilement en plus. Allez, la foil. Oh, Maître Fourrure d'Argent, version foil alternative. Yes, Maître Splinter, il va nous faire un joli finish. Donc, on l'a déjà vu hein, en version normale. Et la dernière, est-ce qu'une carte de The List, une mythique de The List? Oh my god, oh, ce finish est trop beau. Twilight Prophet pour 4, c'est une 2-4 vol. Ascent, c'est quoi? Si vous contrôlez 10 ou plus permanent, vous gagnez. D'accord, on gagne la bénédiction de la cité pour le reste de la partie. Alors, au début de votre phase de d'unkeep, donc d'entretien, si vous avez donc la bénédiction de la cité, vous révélez la carte du dessus de votre librairie et vous pouvez la mettre dans votre main. Chaque adversaire peut perdre X de vie et vous gagnez X vie. X... Chaque adversaire pardon, perd X vie et vous gagnez X vie. X est le coût converti de mana de la carte. Ouf. Nansplitter, Venium et Mythique en finish, record battu. Oh oui, c'est clair. Là, c'est clair. Ça fait 1, ça fait 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18. Eh, on n'est pas loin des 21. Hein. 18. My God. Donc 18, 85, 95. 87, 97. Putain. 397. Oh my god, on a explosé le record encore. 2 Planeswalker, 3 néons. Ouf. Bon, bah, il reste maintenant ces deux-là. Alors, le E, je ne les compte pas hein, dans le scoring. Il hein. est normal, c'est du bonus. Bonus Caius. Allez, la boîte des abos qui sauce. Ah oui, c'est clair. Abonnez-vous. Abonnez-vous, j'en ai plus des comme ça. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. J'ai pas envie de l'exploser. On va l'ouvrir par en bas, on va essayer. Ils les ont renforcés. Ah bon, bah, il est pété. Bon, c'est pas grave, il est cassé. On les rangera vite, celle-là. Bon, donc à la fin, on a un token, hein, de toute façon. Alors, on commence par le Scarabée Virus. Donc, une 1 pour 2. Quand le Scarabée Virus arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire se défausse d'une carte. Petit artefact sympa. Donc, foil. Hein. Après, on a repoussé l'abject pour 4. Choisissez l'un, exilez une créature ciblée avec une force supérieure ou égale à 4. Ou exilez un enchantement ciblé. C'est un éphémère, ça peut être sympa.
Robot éboueur incontrôlé pour 3. Ah, on a déjà une unco? Waouh! Piétinement, le robot éboueur incontrôlé gagne plus 1, plus 0 pour chaque carte d'artefact et ou enchantement dans votre cimetière. Derrière, j'ai vu qu'on avait un Goshintai de la vigueur abondante pour 2, c'est une 1-1. Un reliquaire piétinement, donc on l'avait vu, on met un marqueur plus 1, plus 1 pour chaque reliquaire qu'on contrôle sur un reliquaire. Derrière, on a l'ère moderne, commune. On a déjà vu plein de fois. Un terrain. Ok. Un petit rouge. Encore. Ah! Eiko Hamasaki, la générale. Alors, elle n'est pas foil, hein, elle est normale. Donc, une 3-3 pour 4. Piétinant chaque fois qu'un samouraï ou un guerrier que vous contrôlez attaque seul, vous pouvez lancer une carte d'artefact ciblée depuis votre cimetière ce tour-ci. Nous avons le Ronin Haki. Une 1-3 pour 2. À chaque fois qu'un samouraï ou qu'un guerrier que vous contrôlez attaque seul, vous pouvez vous défausser d'une carte si vous faites ainsi piocher une carte. Et version foil. Le Pisteur Annelé. On a déjà eu, je crois. Pour 2, une 2-1, ninjutsu. À chaque fois que le pisteur annelé inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur plus 1 sur une créature que vous contrôlez qui n'a pas de marqueur plus 1 sur elle. Elle n'est pas foil, elle est normale. Ok, spécialiste en collet lunaire pour 4, c'est une 2-2, ninjutsu 3. Quand les spécialistes en collet lunaire est sur le champ de bataille, renvoyez jusqu'à une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Une version foil, elle est pas mal. Elle est plutôt jolie. Oh! Idetsugo, chaos dévorant pour 4, c'est une 4-4. Pour 1, on sacrifie une créature, regardeux. Et pour 1 rouge et 2 incolores, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Quand vous exilez une carte non-terrain de cette manière, Idetsugo, chaos dévorant, inflige un nombre de blessures égal à la valeur de mana de la carte exilée à n'importe quelle cible. Ah, je me suis pris dans la gueule tout à l'heure. Oh, collision de royaume pour 7. Chaque joueur mélange toutes les créatures qu'il possède dans sa bibliothèque. Chaque joueur qui a mélangé une créature non jetante dans sa bibliothèque de cette manière révèle les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle une carte de créature, puis met cette carte sur le champ de bataille et le reste au-dessous de sa bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ça peut être marrant pour faire un deck un peu spécial là. Mais bon, faut 7 mana quoi. Il faut y arriver vite, hein. Oh, Raiju, tranchant de la tempête. Bien d'ailleurs que j'avais eu la carte, la petite carte d'illustration. Pour 4, c'est une 3-3 initiative. À chaque fois qu'un samouraï ou qu'un guerrier que vous contrôlez attaque seul, dégagez-le. Si c'est la première phase de combat du tour, elle est suivie d'une phase de combat supplémentaire. Ce qui peut être très fort et tu peux autant tuer quelqu'un facile. Ok, attention, on arrive dans les cartes spéciales. Oh, yes! Yes! Planeswalker alternatif! Oh my god! Il n'est pas foil, mais c'est pas grave! Et ça fait ma deuxième! Yes! Bon, on l'a vu tout à l'heure, hein? Mais. Oh putain! Oh my god! Ah, je suis content! Putain! Oh, le booster là, il est rentable! Je sais pas à combien elle est cotée, l'impératrice vagabonde, surtout en version comme ça. Allez, la suivante. Oh! Une carte néon en plus. Alors, on avait eu la version normale en full art. What the fuck? Oh là là, une carte néon en plus. Alors, je crois qu'il y en a une à chaque fois. Hein. Et nous avons donc le token. Bon, ben, la deuxième, elle va aller dans son petit coin là. Hein? Elle va y aller tout de suite. Bonjour, je vais te mettre en protection directement. Juste à côté de sa petite sœur. Ouais, voilà. Voilà, elle est juste à côté de sa petite sœur. Ok, bon ben, bon booster. Je pense que là, il s'est déjà remboursé. Le booster s'est remboursé tout seul. Rien qu'avec ça. La carte néon, je pense pas qu'elle vaille énormément. Elle vaut un petit peu, mais je pense que rien que là,
La Plainwalker, ça doit pas être loin des 20 euros, je pense. Surtout celui-là, il est bien coté. Il est joué dans pas mal de decks, hein, dès qu'il joue blanc. Allez, on va ouvrir le deuxième booster collector. Ouais, ok, d'accord. C'est des boosters de mauvaise qualité, les. On va essayer de pas tout casser. Bon, un deuxième plein. Kaito, je l'ai pas eu. J'aimerais bien l'avoir. Allez, c'est moi, l'âme soleil. Donc c'est une 4-4 pour 4 vigilance et la transfert 2, on peut le défausser. On peut se défausser du samouraï de l'âme soleil, chercher dans la bibliothèque une carte de plaine, de base, on la révèle et on la met dans la main et on mélange, puis on gagne 2 points de vie. Grabba-Carabas, miroir pour 7, c'est une 5-7, parade 3. Donc transfert à 3, défaussez-vous du crabe à Carabas Miroir, contrecarrer un sort ciblé ou une capacité ciblée à moins que son contrôleur ne paye 3 de plus. Ça peut être sympa. Norika Yamazaki, pardon, la poétesse. Pour 3, c'est une 3 de vigilance. Chaque fois qu'un samouraï ou un guerrier que vous contrôlez attaque seul, vous pouvez lancer une carte d'enchantement ciblée depuis votre cimetière ce tour-ci. Ça, c'est pas mal, ça. Les enchantements sont plus faciles que les artefacts. Dentée de sangsue, 2-2 pour 2 liens de vie. La créature équipée a le lien de vie et ses reconfigurations 4 pour équiper. Ok. Alors, ça, bon, on connaît, une petite commune. On a déjà vu plein, non, une Unco, pardon, qu'on a déjà vu plein de fois. Un petit terrain, le petit terrain folle. Et là, on va commencer à arriver dans les réjouissances. Pas tout de suite, mais ça va pas tarder. Donc, Samouraï Lame Soleil, hein, qu'on a vu juste avant en version normale. Mentor 7 queues en version foil. Pour 4, c'est une 2-3. Quand le mentor 7 queues arrive sur le champ de bataille ou meurt, mettez un marqueur plus 1 sur une créature ou véhicule que vous contrôlez. Marche Onde d'Okuchi qu'on a eu plein de fois et qui est pas foil. Kappa démolisseur de technologie pour 2, une 1-3 ninjutsu. Le Kappa démolisseur de la technologie arrive sur le champ de bataille avec un marqueur contact mortel. Et on peut virer son compteur contact mortel. Si on le fait, on exile un artefact ou un enchantement ciblé que ce joueur contrôle. Est plutôt pas mal. Allez, on commence. Mika Cerebore qu'on a eu encore déjà dans le dernier booster, je crois. Ou avant-dernier booster de la boîte. Attention. Concorde avec les Camis pour 4. Oh, c'est une carte de commandeur. Au début, c'est un enchantement. Au début de votre étape de fin, choisissez l'un ou plus. Mettez un marqueur plus 1 sur une créature ciblée avec un marqueur sur elle. Piochez une carte si vous contrôlez une créature enchantée. Ou créez un jeton de créature 1 couleur esprit si vous contrôlez une créature équipée. D'accord, faut un deck vraiment un peu spécifique pour ça. Attention. Kaito. Adieu. Oh, bien. Très très bien, adieu. Donc pour 6, on choisit l'un ou plus. Exiler tous les artefacts, toutes les créatures, tous les enchantements ou tous les cimetières. Mais on peut choisir les 4 si on veut. C'est plutôt pas mal. Attention. Tadam! Reju transcende la tempête. Ah ben on l'a en version alternative. Tout à l'heure on l'a eu en version normale. Et là normalement on a la néon, je crois, juste après. Attention. Pof. Ah ben non. On a eu la puce de la réalité. C'est ça, hein, si, c'était la dernière. Puce de la réalité qu'on a déjà vue, mais on n'avait pas eu dans cette arte-là. Quoique, attends, vous pouvez regarder. Ah non, non, ça nique, c'est autre chose. 0-4 pour 2, vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. En tant que la puce de la réalité est attachée à une créature, vous pouvez jouer des terrains et lancer des sorts depuis le dessus de votre bibliothèque. Ok. Sympa. Et petit trésor avec un esprit. Bon, ça a été 3 points Noël, 3 points Noël aujourd'hui. Je suis content. C'est une bonne ouverture. Et même les booster collector ont régalé là aujourd'hui. Le adieu est vraiment bien. C'est une bonne carte, c'est joué. Pas dans tous les decks, mais c'est joué. Non, non, c'était vraiment très, 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 très sympa. Il va arriver, il est 3 h. Bon, il y aura le boucan bientôt. Je vais me reprendre les. Merci, Ifol, pour le giveaway.
Bien, ben voilà. Merci à ceux qui sont passés sur le live, ceux qui regarderont la rediff sur YouTube, comme d'habitude, abonnement, cloche, pouce bleu, commentaire, partage. Il y a tout ce qu'il faut aux réseaux sociaux dans la description. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao tout le monde.